Et à mes supporters, je vais vous demander de bien vouloir vous lever et de respecter une minute de silence pour la mémoire de Bernard Kita, ancien joueur du FC Boula, décédé il y a un an. Donc je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et donc bienvenue au Start Bierfort aujourd'hui donc pour cette première retransmission d'un match de Fédéral 3 sur donc Allier Direct Sport avec donc aujourd'hui ce match très important pour le FC Moulins qui va l'opposer à Guéret. Donc je suis accompagné aujourd'hui de Didier Lorca, un ancien entraîneur du FC Moulins et qui va m'accompagner pendant tout ce match. Ça va être mon aide technique aujourd'hui. Bonjour Richard, écoute, bonjour à tous les internautes. Écoute, je suis doublement heureux aujourd'hui d'assister à ce match puisque je crois que ça va être un match très très serré. Et puis grâce à Allier Sport, nous sommes en direct. Et le match a déjà commencé par une occupation de Moulins sur le camp de Guéret. Tout à fait Didier, donc match qui commence tambour battant avec des passes donc à la main du côté de Guéret. Et c'est le numéro 3 qui lance le numéro 7, Chêne, sur le côté. Et Richard, on a vu que Guéret, dès le premier ballon dans leur 22, ne joue pas au pied, ce qui est intéressant pour la suite du match. Un jeu déployé qui amène une pénalité pour Moulins. Une pénalité qui, à mon avis, va être reprise par Vlad Aleni, qui cherche la touche aux abords des 22. Pile sur la ligne des 22, Didier. Oui, beaucoup de touches intéressantes, puisque dès la première minute, on va être dans les 22 adverses. Donc, ça peut permettre à Moulins de rentrer dans le match immédiatement. Et si nous, par bonheur, nous avions la chance de marquer sur cette première occasion, ça enclencherait de bon augure la victoire du Fossemeux. Ah oui, il faut faire à peu près le même match qu'on avait fait la semaine dernière, surtout la première mi-temps, parce que Moulins avait très très bien joué la première mi-temps là, contre Saint-Cernin en menant 16-0. Et c'était beaucoup moins bien en deuxième mi-temps parce qu'on avait pris 3 essais en 10 minutes et on avait perdu ce match bien malheureusement. Malheureusement, on a perdu la touche sur lancer de Moulins. Guéret rejoue au pied et Bruno Couder qui nous franchit la ligne d'avantage, qui remonte sur 20 mètres. L'arbitre laisse jouer ce ballon, toujours pour Moulins. Zourab qui récupère le ballon. Jean-Ismaël, Aura. Ballon toujours moulinois. Charles Prévé, toujours Aura aussi. Qui se fait bien prendre par la défense. Alors Richard, ce qu'il y a eu, le geste d'arbitre qui a dit que le Moulinois avait gardé ce ballon au sol. On voit bien le geste de l'arbitre, il le refait de nouveau. Et pénalité malheureusement pour Guéret. Dommage pour l'entame parce qu'on était chez eux et malheureusement on n'a pas profité de cet avantage. Et donc notre ami de Guéret qui trouve une toute petite touche au niveau donc de la ligne médiane. Deuxième touche. Hein. Ouais, deuxième touche pour nos amis de du Cher, de la Creuse, bien sûr. Guéret qui, comme Moulins, se bat un petit peu pour en bas de tableau, hein, malheureusement pour les deux équipes. Fanton, le capitaine Fanton qui va donc lancer en touche. Ah, Guéret, belle prise. Ah, la touche n'est pas droite. Mêlée donc en faveur de Moulins.
c'est Vlad Alinei qui va remettre ce ballon en jeu. Et on voit que l'alignement des deux équipes n'est pas encore au top, puisque Moulin a perdu sa première touche et Guéret a également perdu sa première touche. Je pense qu'il y a beaucoup de stress. C'est ce que j'allais dire, les équipes sont crispées, elles savent toutes les deux que c'est un match important, parce qu'il faut savoir que Moulin est avant-dernier et que Guéret est juste au-dessus d'eux, et donc la victoire de l'un ou de l'autre leur permettra sûrement d'avoir un hiver plus intéressant, un hiver au chaud, comme on dit. On a déjà des internautes qui sont très contents de vous avoir, Didier, avec ce petit accent du Sud qui nous rappelle bien le rugby. Donc, oui, merci aux internautes de nous envoyer ces petits messages. Et oui, c'est très gentil à eux. Bon, il faut savoir que dans le rugby, ils commencent à devenir au-dessus de la Loire maintenant, hein, avec un gros club à côté de Moulin, Nevers, pardon, qui peut-être va monter en pro D2 cette année. Et on continue sur le jeu avec Guéret. L'arbitre arrête le jeu, je pense qu'il y a une pénalité, je ne vois pas le geste de l'arbitre pour le moment. Je ne peux pas te dire, Richard, pour qui elle est. Alors pour l'instant, on a aussi Gaëtan Martin qui est au sol. À mon avis, il a pris un coup au moment du regroupement. Bon, il y a à noter, Richard, aussi que sur la première mêlée, malheureusement, pour introduction du Fosse-Meux, on a perdu cette balle. Donc, encore des munitions pour Guéret. Il faudra, je pense, que Moulin ajuste ses lancements de jeu et qu'on garde nos ballons. Je pense que c'est un match qui va se jouer sur la conquête, mais surtout aussi sur les balles à la main qu'il faudra bien ajuster et bien faire produire du bon jeu et pouvoir marquer des essais ou mettre à la faute l'adversaire pour pouvoir enquiller des pénalités. Oui, comme tu dis, Richard, je pense que dans ces matchs à enjeu, bien sûr, le botteur a une importance capitale. Hein. Parce que souvent ça se joue à 3, 4, 5 points. Et j'espère que ce ne sera pas le cas pour Moulin, mais vu comme c'est parti, on s'aperçoit qu'en fait c'est serré. Et pour l'instant, les équipes se maîtrisent l'une à l'autre. Hein. Pas trop d'avantages ni pour l'une ni pour l'autre. Le jeu est assez stérile. On espère que ça va rapidement s'animer. Et toujours, voilà. Le problème, on a récupéré le ballon, mais c'était sur une touche à nous, on a eu du mal quand même à récupérer ce ballon. Et là, Guéret qui récupère le ballon sur... On a perdu le ballon sur le regroupement. Mêlée qui écarte sur la largeur. On est bien disposé en défense pour le moment. On avance sur le regroupement. Oui, bon pressing de Moulin. Là. Regarde Richard, je pense qu'on est pas mal en défense. Hein. Ouais. Si on pouvait récupérer sur cette zone plus, comme on va dire. Voilà, il y a des petits coups qui sont partis dans le regroupement. Ça part au large du côté de Guéret. Le numéro 11. On a Misiki. Bon plaquage de Bruno Couderc là-bas qui a bloqué le 15. Mais Guéret joue large, vraiment, il y a du mouvement du côté de Guéret. Et on a du mal à se replacer du niveau moulinois. L'alignement est revenu, c'est bon. Allez, ballon perdu. Ballon échappé du numéro 8, Marchand. Et Moulin qui récupère. Malheureusement mêlé, pénalité pour Guéret au 22 mètres face au poteau. Malheureusement, mais l'action de Guéret, il faut reconnaître, est très 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 belle puisqu'elle est partie presque les 22 mètres. Avec du mouvement au large, comme on a dit au départ, Richard. Guéret qui n'hésite pas à mettre du mouvement au large. Hein. Donc il va falloir que la défense se prépare à ça. Ouais, le numéro 15, Derek, pourrait bien ouvrir le score au stade Pierrefort aujourd'hui avec cette pénalité face au poteau. Pas de vent, un terrain assez souple et puis un temps assez clément hein, pour la saison. Hein. On est quand même au mois de décembre, on est au 14 décembre et la température est plutôt clémente. On va laisser le botteur, donc le numéro 15, Derek. Et pénalité donc réussie du numéro 15, Derek, qui ouvre. Ah! Eh ben non, donc l'arbitre en a décidé autrement. Oui, ce qui est assez rare, hein, puisque l'arbitre refuse la transformation. Ouais, bonne nouvelle pour lui. Éclaircissement, tout simplement, il faut savoir qu'à ce niveau-là, les deux arbitres touches, ce sont des joueurs des équipes qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas habitués.
Et malgré que l'arbitre touche, donc lève le drapeau, l'arbitre central peut revenir sur la décision du corps assistant, donc, du corps arbitral assistant. D'accord. L'arbitre central est toujours le prioritaire sur toutes les décisions. D'accord. Tant mieux pour Moulin et malheureusement pour Guéret. Et donc le score est toujours de 0 à 0 après 10 minutes de jeu. Et là, Moulin qui donc s'est relancé et qui a malheureusement encore perdu le ballon dans un regroupement. Le numéro 9, Puy de Bois. Alors là, Richard, il y a eu contact, vu le geste de l'arbitre, il y a eu contact entre deux guerrettois, donc ce qui nous permet à Moulin d'avoir la mêlée. Et oui, parce que le joueur est passé devant, mais il l'a touché, donc mêlée en faveur de Moulin, qui va être introduit par Vlad Alinei. Donc deuxième mêlée, je pense que le pack moulinois se sera réglé pour cette deuxième introduction. C'est un peu un plus un bac moulinois qui se connaît très bien, hein, Gaëtan, Guillaume et Jean qui ont souvent joué ensemble, donc ils ont de l'expérience. Ballon bien sorti. Et c'est Benoît Billot qui s'enfonce dans la défense. Il n'arrive pas à percer le premier rideau. Guillaume Bergos. La Dalini pour Yann Dupré. Yann Dupré qui essaye de rester debout. Oui, bon regroupement, on ne perd pas le ballon sur deux ou trois temps de jeu. Vlad qui continue au ras, on cherche vraiment le rapport de force direct. Le ballon est toujours pour Moulinois. Jean-Ismaël. Jean, sa puissance, ah, malheureusement qu'il perd le ballon, mais il y avait une pénalité. Pénalité, j'attends le geste de l'arbitre pour savoir. Je pense qu'il y a eu un grattage au sol, à mon avis. Bon hors-jeu. Écoute, pénalité pour Moulin, ça va ouais. Faire du bien. Et face au poteau en plus, donc en espérant que ça soit un jour avec pour Vlad Alinei. Il faut dire que depuis le début de la saison, il n'a pas vraiment eu de jour sans. Non, Vlad qui depuis deux ans, deux saisons, est un des meilleurs buteurs de Fédéral 3. Hein. Vraiment très impressionnant, mais je peux te dire, Richard, pour l'avoir vu à l'entraînement, il travaille, c'est un travailleur qui n'arrête pas de s'entraîner et qui mérite sa réussite. Et quand on connaît par exemple Wilkinson qui jouait à Toulon jusqu'à l'année dernière et qui était un besogneux comme je pense doit l'être Vlad et qui s'entraînait souvent une heure avant ses coéquipiers, une heure après pour avoir un shoot le meilleur possible. Une concentration, on prend son élan. Très bien. Et pénalité donc réussie par Vlad Alinei et le FC Moulin qui ouvre le score par cette pénalité et donc qui mène par 3 à 0. Pénalité et bien, écoute, réussie du numéro 10, Vlad Alinei, Moulin mène par 3 à 0. Et je crois que ceci va rassurer tous les joueurs de Moulin, 3-0, donc on passe devant. Ce qui est toujours psychologiquement une bonne chose. Parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur la réussite du buteur, ça rassure tout le monde. Et donc, Vlad qui renvoie le ballon dans le camp de Guéret, avec une belle montée de notre défense. Bien joué la part de Romain là, qui plaque aux jambes. Romain toujours là, vaillant sur tous les plaquages. Guerrier, un regroupement acharné, enfin on s'aperçoit, le ballon est toujours guerrétois, on s'aperçoit Richard qu'au large Guéret est très dangereux, une sautée du 9, à deux contre sur l'aile, l'ailier va essayer de revenir sur eux. Non c'est l'ailier, c'est pas l'ailier, c'est le deuxième ligne. Morahou qui part sur le côté, qui enchaîne, et essaie. Malheureusement essaie. Et c'est du numéro 7, Chêne. Et Guéret qui marque cet essai. Et donc, par ce numéro 7, sur le côté, comme tu venais de le dire, Didier, ils sont partis au large et forcément, la défense n'a pas pu se regrouper. Et malheureusement, donc ce premier essai pour l'équipe de Guéret. Et on s'aperçoit très nettement deux systèmes de jeu opposés. Je dirais un système de jeu où on garde le ballon au ras
et Guéret qui lui essaie d'élargir au maximum avec des avants disposés en bout de ligne. Donc qui n'hésite pas à écarter les ballons. Mais il faudra que la ligne défensive de Moulin soit très très vigilante. Transformation réussie de Guéret, ce qui fait 7-3 au score, Richard. Et oui, 7-3. Malheureusement, oui, on avait ouvert le score et ben, sur cette percée au large, là, le numéro 7, Chen, qui marque cet essai. Et donc, Guéret qui mène 7-3, mais on va faire confiance à nos amis moulinois pour vite reprendre les choses en main et pourquoi pas marquer un essai très rapidement. Ballon récupéré. Ah, là, encore un surnom sur la largeur. Bien rattrapé par Panier. Mais les liés, Guéret, toi, peut enchaîner. Ah, ils enchaînent bien, hein, nos amis de la Creuse. Et très vite, ils n'hésitent pas d'écarter le ballon. Et on voit que notre défense a un peu plus de difficultés. Là, ce que je disais tout à l'heure, on peut s'apercevoir au large. Tu vois, il y a le 3, le 5. Vraiment, Guéret a un système de jeu pour jouer au large avec des avants mélangés avec les 3 quarts. Ah, ils perdent très peu de ballons. Enfin, il a fallu que je dise ça pour qu'ils perdent celui-ci. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils le manient bien et ils embêtent beaucoup cette défense moulinoise. Les tirent beaucoup sur les côtés et elle a du mal à faire face à ces assauts répétés de nos amis de la Creuse. Je t'avoue qu'à ce niveau en Fédéral 3, peu d'équipes jouent comme Guéret, ce qui peut un peu surprendre les parts moulinois, mais on va certainement se rajuster défensivement. Oui, parce que le groupe moulinois a quand même de l'expérience. Hein, on a des gens comme Yann Dupré, Charles Prévé, Jean-Ismaël, Vlad Alinei qui ont quand même un petit peu de vécu à ce niveau-là et qui vont, à mon avis, pouvoir remettre les choses en place. Oui, à noter également le retour d'Alexis Charmartin qui revient, qui, comme tu dis, va apporter de la sérénité et du remplacement, je pense. Bon coup de pied, une touche pour, aux abords de 22. Touche pour nos amis de Moulin qui vont remettre le ballon en jeu par le numéro 2, Gaëtan Martin, normalement, qui est à l'honneur, si je ne m'abuse. Ah non, c'est Pierre Guyot. Pierre-Henri Guyot qui va remettre le ballon en jeu. Belle prise de main. Là, pour Yann Dupré, lancé. Vlad, Guillaume Bergos, on passera avec... Une pénalité pour Moulin, oui. L'avantage ne profite pas d'après l'arbitre. Hors-jeu de Guéret. Et donc, il va permettre à nos amis moulinois et à Vlad Alinei de voter pour cette pénalité. Et peut-être ramener le score à 7-6. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Oui. Vlad n'a toujours pas... Parce qu'elle est quand même assez difficile. Hein. Ouais, elle est sur le côté gauche. 10 mètres de la touche. Ce qui ferme l'angle, hein, bien sûr. Bon, l'avantage, c'est Vlad est droitier. Et lorsqu'on tire sur la gauche, bien sûr, ça permet au ballon de rentrer. Et je vous rappelle que la retransmission de ce match vous est proposée par FHTP avec les moyens techniques de Photo Sport 03 pour allier Direct Sport. FHTP, c'est le spécialiste de la route et du génie civil avec une clientèle publique et privée qui se situe 117 route Autrive à Abré, près de Vichy. Et malheureusement, oui, comme quoi j'avais peut-être mis la charrue avant les bœufs, Vlad a loupé cette pénalité et ce score reste 7-3. Après donc une vingtaine de minutes de jeu. Mais on reste quand même dans le terrain, dans le camp de Guéret, donc c'est quand même un avantage pour Moulin. Ouais, renvoi donc au 22 qui va être effectué par le numéro 10, Santa Anastasio. Je vois que tu as un très bel accent. Ouais, un accent. C'est mes années collège. Ah, Vlad qui sort le ballon un peu plus vite là. Ouais, qui essaye de mettre de la vitesse dans ce. Les Zorab qui a été en pénétration, on écarte sur la largeur. Landry,
Et après Bruno dans l'intervalle, on essaye de trouver Alexis Jean-Martin, qui est bien plaqué. Yann Dupré. Yann Dupré qui avance. Oui, qui avance sur 10 mètres. Belle percussion, mais. Ouais. Mais on passe par-dessus. Le premier soutien a été à trop plonger, loin. Ouais. A plongé par-dessus Yann. Ah, et dommage. Forcément, l'arbitre a été obligé de signaler cette pénalité. Et donc, de nouveau, notre ami Santa Anastaso qui va, je pense, essayer de trouver une touche assez lointaine. Et qui trouve une touche aux 40 mètres. Un match assez intéressant à regarder. Hein, peu de d'arrêt de jeu. Hein, oui, ça très joue beaucoup. Ouais, très animé. Deux styles différents, comme on le disait. Ouais. Donc, un style plus défensif, plus dans la percussion pour nos amis moulinois. Et un style un peu plus au large pour nos amis de la Creuse, nos amis de Guéret. Donc, deux styles différents. Ce qui peut nous donner un très très beau match aujourd'hui. Très belle prise à deux mains de Guéret qui de suite, vous voyez, il est au large, le centre perce, attention, on arrive, Bruno a très bien défendu, malheureusement, le passé. Le numéro 13, Carmel, qui a percé les deux lignes de défense assez facilement, malheureusement, et qui vient marquer entre les poteaux. Et nos amis molinois là qui viennent de prendre deux essais. Ça devient compliqué là pour Moulin. Ah, mentalement, il va falloir se réagir très très vite parce que et pas attendre. Ouais, et puis c'est une, comme on le disait au début de cette retransmission, c'est un match très très important. Il faut savoir que Moulin donc, est avant-dernier et que les deux derniers de cette poule descendront en honneur. Et quand on connaît la qualité de l'effectif quand même moulinois qui a cependant beaucoup de blessés depuis ce début de saison malheureusement et beaucoup de blessés graves. Donc ça peut expliquer aussi la baisse de forme depuis quelques matchs. Mais il va falloir réagir très rapidement. L'essai de Guéret a été en premier temps, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un seul recoupement, c'est une prise à deux mains et au large. Essai avec numéro 15, du numéro 13, Carmel, transformation du numéro 15, direct, Guéret mène par 14 à 3. Oui, avec une percée au centre qui a très bien joué le coup. Bon, quelques erreurs défensives, mais il faut très vite que la défense se ressaisisse. Et malheureusement, on a loupé deux plaquages et ça a permis au numéro 13, Kermel, de pouvoir passer assez facilement et d'aller mettre ce ballon donc, entre les deux poteaux. Et oui, malheureusement, encore une pénalité pour Guéret. Il faut absolument aussi que nous faisions beaucoup moins de fautes pour donner moins de ballons à Guéret qui est vraiment très dangereux sur tous les ballons qu'ils ont. Ouais, moins Guéret au roi de ballon, je pense, et mieux ce sera pour Moulin. Non, mais c'est clair que au rugby, comme ça ne l'est pas du tout au football, c'est quand l'adversaire n'a pas le ballon, il ne peut pas marquer. C'est vrai. C'est un grand entraîneur qui m'a dit ça pas plus tard que cette semaine. Oui, effectivement, Richard. Effectivement, le sport co en rugby, eh bien, on est obligé d'avoir le ballon pour marquer. En foot, non. Un entraîneur qui a eu une sélection internationale, pour lui qui ne compte pas, mais qui a eu quand même une sélection internationale et qui commente aujourd'hui avec moi sur sur Allié Direct Sport ce match. Donc, revenons au jeu qui intéresse plus nos internautes. Et malheureusement, encore une pénalité. Oui, l'arbitre appelle c'est Ismaël, je crois. Là. Alors, il appelle Gaëtan pour le capitaine de l'équipe du FC Moulin pour lui donner quelques indications sur le pourquoi de la pénalité. Et donc pénalité qui va être... On sent la fébrilité, Richard. Quand on fait autant de fautes comme ça, c'est qu'on est fébrile et on va trop loin. On va aller trop au contact, on veut récupérer ce ballon qu'on ne peut pas. Et bien sûr, automatiquement, on fait la faute. Il faut absolument se maîtriser quand on est dans ce moment-là. Ouais, et c'est vrai qu'on peut remarquer, moi qui est là pour les matchs à domicile, et on peut remarquer que ce manque de confiance est vraiment visible depuis quelques matchs à la maison.
depuis la première défaite contre... Je crois que Vichy a fait du mal. Je crois que le match à Vichy oui, a fait du mal. Aussi, parce que ouais. La première mi-temps était bien, puis la deuxième avait tous les blessés et tout. La défaite, malheureusement, de 30 points a fait du mal. Et on n'arrive pas à remonter psychologiquement. Et puis en plus, comme tu l'as dit, beaucoup de blessés, malheureusement. Ouais, beaucoup de blessés. Des blessés graves en plus. Parce que bon, des fois, on peut récupérer quelques joueurs. Là, on a la chance de récupérer Alexis Champmartin. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés ces derniers temps et malheureusement ça ne permet pas d'avoir une équipe type entre guillemets chaque dimanche et qui permettrait peut-être d'avoir un peu plus de confiance. Oui, il faut rappeler les deux blessés importants quand même dans l'équipe, c'est Contamine dans les trois quarts qui a une expérience de haut niveau et Benhammer aussi d'avant qui était un leader incontesté, incontestable. Donc deux leaders de l'équipe qui manquent, il faut bien le reconnaître. Et là donc Guerrero qui passe encore à travers les mailles de la défense moulinoise et troisième essai pour nos amis de Guéret par le numéro 8 Marchand. Ça devient compliqué, mais très compliqué pour Moulin là. Eh bien oui, depuis 10 minutes là c'est difficile, hein. On sent les joueurs à côté. Bon, je vois le capitaine qui a tout son rôle à jouer, à ramener et à rameuter toute son équipe derrière lui. Il nous reste 15 minutes pour attendre cette deuxième mi-temps où le coach va remettre ça d'aplomb. Mais 15 minutes à tenir, je pense. Ça va être difficile, Richard. Il a intérêt, Anthony Crochet, de trouver les bons mots à l'habitant là, pour remobiliser ce groupe moulinois. Il ne faudrait pas que ça soit l'avalanche à Pierrefort aujourd'hui. On attend beaucoup mieux de nos joueurs et une victoire surtout qui nous ferait du bien au classement. Mais pourtant Richard, je peux te dire que j'ai eu la chance de voir les joueurs ce matin à 11h et je peux te dire qu'ils étaient très 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 motivés avec une concentration extrême, beaucoup d'envie. Mais bon, malheureusement le terrain, c'est une vérité différente que celle qu'il y a en dehors du terrain. En avant, monsieur Abidouit. Ah, une mêlée peut-être intéressante, Richard. C'est peut-être l'occasion de revenir dans le match. Ah oui, parce qu'une mêlée au milieu, entre les deux lignes de touche. Donc, une mêlée toujours intéressante parce qu'on peut partir ou à droite ou à gauche. Oui, ce qui met donc la défense dans l'incertitude. J'ai compris pourquoi tu as souri. C'est forcément entre les deux lignes de touche parce que sinon on serait dehors. Hein. C'est ce que tu voulais me dire. On est d'accord, Richard. Introduction. Ah, on récupère ce ballon. On joue 8-9, petit côté. Vlad part. Ouais, il a peu de soutien. En défense de Guéret. On a toujours le ballon. Important de ne pas le gâcher, ce ballon. Et pouvoir l'emmener vers la ligne des 22. Travail d'usure du pack. C'est les gros qui travaillent. Centimètre par centimètre. Mais ça fait mal à la défense aussi. Hein. Et ça oblige aussi les Guéretois de se resserrer. De se resserrer et de pouvoir nous permettre de partir sur les ailes. Donc, toujours. Toujours zéro passe, hein, on ramasse, on avance. Oui, très bon franchissement de Yann qui avance sur 3 mètres. Le ballon toujours. Ah non, on part encore une fois, on avance encore de 2 mètres. Avec Charles Prévé, Gaëtan qui protège ce ballon. Vlad. Va partir sur le côté. Benoît Billot qui essaye un drop. Drop très bien. Complètement loupé, mais on revient à une faute pour une pénalité donc pour le FC Moulin. Alors voilà tout le travail du pack moulinois en avance au ras. On fait comme tu dis, on regroupe toutes ces défenses de Guéret, ce qui nous permet de taper le drop à la suite de ce dernier regroupement. Je trouve que ça a été très bien construit. Et donc là, Vlad va essayer de réduire le score avec cette pénalité face au poteau. Et quand on connaît la régularité de Vlad, on peut espérer que ce ballon passe entre les deux perches. Oui, elle est importante celle-là, parce que mentalement, on revient dans leur camp, on marque, ça y est. Ça peut-être être le début de notre match. Oui, un déclic pour un autre match et peut-être vers des essais. Hein. On espère vraiment que le FC Moulin va marquer des essais ce soir et gagner ce match.
Les pénalités réussies du numéro 9, Vlad Alenei, viré même par 21 à 6. Ça fait du bien, Richard, cette pénalité réussie par Vlad. Hein. Oui, ça permet aux Moulinois de revenir à, un peu au score et on espère que ça va les remotiver pour la fin de cette première mi-temps. Il nous reste 11 minutes à jouer dans cette première période. Et donc ce score de 21 à 6 pour nos amis de la Creuse. Renvoi joué très long. Vlad qui réceptionne et qui renvoie le ballon qui ne sort pas encore de la touche. Ouais, ce qui va permettre à l'équipe de Guéret de repartir. Qui lance un coup de pied donc. Et c'est Bruno Coudert qui repart. Balle au pied entre guillemets, mais malheureusement le ballon est sorti en touche. Et Guéret qui a joué au pied pour faire de l'occupation dans le camp adverse. Ouais. Bruno Coudert qui, n'oublions pas, a joué aussi à Guéret. Donc Bruno connaît bien tous ses adversaires. Et des fois ça peut être important aussi, parce qu'on connaît les forces et les faiblesses de l'adversaire et on peut jouer là-dessus. Donc touche pour Guéret du numéro 2, Fanto, le capitaine. Et récupéré par Guéret. Regroupement. Bonne défense des Moulinois. On essaye de récupérer le ballon. Vlad réclame une petite obstruction effectivement des deux avants qui l'ont empêché de plaquer le numéro 10. Je suis d'accord avec lui. Mais l'arbitre n'est pas d'accord, lui. Ouais. Mais pénalité. Il signale quand même une pénalité. Il signale une pénalité. Pratiquement sur la ligne médiane. Vlad, comme tu vois, encourage. Ouais, encourage. Ballon bien gagné de Guéret, hein, de Moulin. Ça nous permet de retourner dans leur camp. Et il faudrait essayer de marquer, Richard, ouais, encore un essai avant ce mi-temps. Et la touche trouvée par Vlad Alenei. Un beau geste technique qu'on voit très rarement en Fédéral 3. Vlad vient de taper avec son extérieur du pied. Ouais. Ça, c'est un geste très rare, même au top 14. Alors, on sait que Vlad a une panelle de gestes techniques assez importante. On l'a vu plusieurs fois faire des choses qu'on voit, c'est vrai, rarement en Fédéral 3. Et, c'est un joueur très, très important dans ce groupe. L'arbitre qui touche pas droite, mêlée. Malheureusement. Ouais. Touche pas droite, on perd des munitions importantes. Mais ouais. Pour revenir à Vlad va certainement faire partie de l'équipe internationale de son pays. Et je crois qu'au mois de mars, il va être appelé par sa sélection. Ouais. Avec l'équipe de Roumanie, normalement. Ouais. Donc, Pierre qui remet le ballon, très belle mêlée. Et la bonne poussée des Moulinois qui oblige le demi de mêlée à repartir avec ballon échappé du numéro 15 Derek qui est obligé de dégager en toute urgence. Bruno qui récupère le ballon, qui part. Ah ouais, mais malheureusement a perdu le ballon sur le contact. Sur le contact. Le petit côté de Puy de Bois. Puy de Bois, oui. Romain Poder-Giraud. Qui récupère ce ballon et qui l'envoie dans l'espace libre. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça permet à toute son équipe de remonter. On peut voir que le terrain est très glissant. On a vu deux glissades là, coup sur coup. Vlad qui remonte le ballon. Open under. Et l'arbitre signale un hors-jeu. L'arbitre aurait pu, Richard, je pense que l'arbitre aurait pu laisser jouer pour voir ce qui se passait après cet open under. Ouais, mais je pense qu'il veut rester maître du jeu et c'est pour ça qu'il a sifflé cette pénalité. Et ouais. Il vient l'expliquer donc à capitaine Fanton du RC Guéret. Très bonne analyse, Richard. Merci Didier. Et je suis un amateur par rapport à toi. Et écoute, encore une possibilité de mettre 3 points. Par contre, beaucoup plus difficile, 52 mètres le début. Ouais, mais Vlad nous en a déjà mis de cette distance-là. Il n'y a pas de vent en plus aujourd'hui sur la région moulinoise, donc on peut espérer
que cette pénalité fasse mouche. On va se taire et laisser Vlad se concentrer. Et malheureusement, ouais, pénalité qui passe juste en dessous. Il manque 3 mètres de distance, dommage, parce qu'on serait revenu à 12 points, donc à 2 essais. Là, on est toujours à 15 points, donc à 3 marques. Il faut que donc Moulin marque 3 fois pour revenir au score, ce qui est déjà plus difficile, bien sûr. Il faudrait mettre quelques points ouais, avant cette fin de première période. Ah, on voit Guéret, regarde Richard, Guéret est vraiment très joueur parce qu'il joue la leur envoie 2, 22 rapidement joué. Ils n'ont pas peur de jouer. Hein. Non, et je crois qu'ils ont perdu le ballon. Oui. Ah, il va falloir fructifier cette. Oui, oui. C'est bien, Romain Bonheur qui parera au large. Toujours avec les avants. Ouais. Les gros qui travaillent. Allez, Yann qui va essayer de percer cette ligne d'avantage. Bien joué, Léane. On gagne 5 mètres. Vlad, Romain Poder-Giraud qui avance. On est plus qu'à 2 mètres du. Il est à nouveau au ras. Aiguillot qui va peut-être essayer de marquer. On est à 30 cm. Vlad qui écarte sur le bon écouteur. Qui va essayer d'aller en force. Ah, bien le bon là. La défense. Oui. Pénalité pour nous, Richard. Un hors-jeu. Signalé par l'arbitre. Djuric, Sébastien Richard, qui vient du Lyonnais. D'accord, comité lyonnais, ce Djuric. Qui n'est pas nouveau, hein, qui est un bon arbitre d'ailleurs, qui est renommé sur la place publique de rugby. Et donc Vlad qui va peut-être permettre au FC Moulins de revenir donc à 21-9. On l'espère fortement, ce qui nous permettrait d'avoir de certains espoirs pour la deuxième période. Oui, puis on a vu encore une percée de Dupré-Yann au ras qui a avancé sur 10 mètres et qui a permis à toute l'équipe moulinoise d'avancer. Bruno Pouder stoppé à 50 cm. Oui. Du numéro 9, Vlad Ali. Guéret mène par 21-9. Mais comme je te disais, on revient à 12 points, ce qui permet de revenir à 2 essais. Donc, fin de première mi-temps, Richard Pourmoulin. C'est clair, et puis merci à Vlad de nous mettre donc ces pénalités qui nous permettent de revenir au score et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, d'espérer une deuxième mi-temps. Plus intéressante, je dirais, dans le terme du score, pour que Moulin puisse revenir et peut-être gagner ce match. Numéro 8 qui relance là sur le numéro 15, Derek. Sur le numéro 14, Petrov. Ouais. On a plongé du côté moulinois. Vite joué par le numéro 9, Puy-de-Bois. Qui part au large, qui retrouve le numéro 11, Oda Misiki, pardon. Qui heureusement a oublié à droite son soutien. Ce qui a permis à la défense moulinoise de revenir. On essaye de gratter le ballon dans le regroupement. Petit ballon au-dessus de la. Pied-Bois qui est le numéro 9 de Guéret qui anime bien le jeu au large, coup de pied par-dessus. Ouais, parce que tantôt il part à la main ou sinon des petits coups de pied au-dessus de la défense et ça empêche la défense moulinoise de se structurer et de pouvoir récupérer ce ballon. Et là le numéro 10, Santa Anastaso, qui trouve une petite touche dans les 22. Il se sent fort hein, parce que pour de taper la touche, Guéret se sent très fort. Ah, ils ont récupéré pas mal de ballons sur nos touches. Je crois que si j'ai bien compté, ils ont dû récupérer 2 ballons sur nos touches. Le premier surtout. Et donc, je pense qu'ils vont jouer là-dessus, hein, sur le fait que leurs sauteurs sont peut-être un petit peu plus performants que les nôtres. Et voilà, ils récupèrent par le numéro 7, Chêne.
Petit ballon par-dessus, mais récupéré par Guyot, qui essaye de repartir. Bon, là, le choix du jeu au pied, à mon avis, n'est pas excellent, tant mieux pour Moulin. Bruno Billot, sous la pression, qui est sans long but. Grosse pression. Là, là, là. C'est compliqué pour les Moulinois. Pressés dans leur en but par l'équipe de Guéret. Donc, on récupère le ballon, je crois. Oui, mais Richard, écoute, c'est peut-être compliqué, mais n'oublions pas que c'était une touche pour Guéret. Hein, donc, ça en est bien sorti. Parce que les touches, comme tu sais, sont un très bon lancement pour des ballons portés. Et on est bien contré là. Maintenant, mêlée, n'oublions pas la dernière mêlée aussi qui a été intéressante pour Moulin, puisqu'on avec a, une on a avancé. Poussée, ouais. Là, c'est l'occasion à notre 5 de devant de montrer tout leur savoir-faire. Avec Bergos, Gaëtan, Ismaël, Zoura, Dupré. On va compter sur eux là. Ouais, on va pousser avec eux, hein, Didier. Oui. On va pousser avec eux. Toi, pas très fort, mais. Merci, Didier. On en reparlera après le match. Oui, parce que pour ceux qui ne voient pas Richard, on n'est pas une deuxième ligne qui fait 2 mètres et 5 kilos. Ouais. Mais par exemple, Didier fait 30 kilos tout mouillé après la douche, donc bon, ça va. Je pense que je devrais pouvoir y arriver. Revenons au jeu, Richard. Ouais, on va revenir au jeu. Non, mais je pense que nos internautes ont aussi besoin de rire. Oui. Et donc, mêlée pour introduction moulinoise. Ah, je crois qu'elle est guéretoise. Elle est guéretoise. Je crois, puisque le ballon a été aplati dans l'ambute. Bien sûr, mais ça, c'est mon défaut. J'aurais voulu qu'elle soit pour Moulin. Malheureusement, non. Et là, un petit arrêt de jeu pour une blessure. C'est Vlad, je crois. Hein. Vlad qui est blessé. Ah, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle pour nos amis moulinois. Eh oui, une cheville, à mon avis. Ouais. J'ai l'impression que Vlad est touché à la cheville. Et bien, écoute, c'est Elliot qui joue Longy, qui va jouer à la mêlée, qui en principe joue 12 ou 13. Mais un joueur très intelligent, là-bas, la belle poussée de Moulin. On n'arrive pas à récupérer le ballon, non. Toujours ballon pour les Guérétois aux abords de la ligne d'essai. On avance tout doucement. Numéro 5, Moraru. Attention, la tentative d'Europe. Bien joué, bien contré. Et là, les chevaux sont lâchés. Malheureusement, Guéret a récupéré le ballon. Mais ballon bien contré. Ah oui, Benoît Billot là qui vient perturber. Billot toujours en fer de lance, je t'avoue, Richard, toujours présent. Et là, on essaye de faire tomber. Revue la récupération. Il garde la balle au sol. Malheureusement, l'arbitre ne l'a pas vu. Attention là, largeur. Si tu peux regarder sur la largeur, ouais. Heureusement qu'il revient devant. Santon. Oui, parce qu'il n'a pas vu ses collègues là au large. Regardez, on est 8 sur 5 au largeur. Ouais. Attention à Guéret. Attention, ce numéro 13 là qui a passé. Monsieur l'arbitre, je crois que je vous remercie. Oui, parce qu'on n'était pas très très bien regroupés là sur le côté gauche et s'ils avaient joué au large, je pense qu'on aurait eu de gros soucis. Mais l'arbitre en a décidé autrement et il appelle les deux capitaines. Il a dû voir une faute qui ne lui plaît pas du tout. Et donc c'est la fin de cette première période au tableau d'affichage. Je pense que ça va être la dernière action de cette première mi-temps. Alors un petit temps mort là. Fantôme qui est en train de voir quelle décision pourrie à prendre, ou la mêlée ou la. C'est mêlée guéretoise. Mêlée guéretoise. Dernière action, je pense. Ouais. Ça vient qu'on récupère le ballon et qu'on le mette tout de suite en touche. Ou pourquoi pas partir à l'essai d'un essai de 70 mètres, nous ferait bien plaisir, Didier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que Moulin en a besoin. Une belle poussée. Il se relève, le pilier droit de Guéret se relève. Ouais. Monsieur l'arbitre, quand les piliers se relèvent, on doit arrêter la mêlée. Il la refaire. Fodeur qui monte en pointe. Très beau plaquage. Ouais. Là,
Malheureusement, on s'est fait prendre sur le côté. Heureusement, Bruno Couder là, qui arrête cette action avec un plaquage aux jambes. Mais Guéret récupère le numéro 4 sur le côté. Très actif sur la largeur du terrain. Et clash. Romain qui revient en boitant aussi, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal sur l'action. On joue encore aux largeurs sur, pour Guéret, un joue au pied. Très long. Il est malade. Ah là là. Eh oui, Stéphane Panier qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Et le numéro 15, Derek, qui était à l'affût et qui a aplati. Malheureusement, encore un essai de nos amis de Guéret. Et le score qui s'alourdit, 26 à 9, juste avant cette fin de première période. Et le numéro 10, Santo Nastaso. J'avoue, a très bien jugé le jeu. Et grâce à son coup de pied, a permis à Guéret de marquer encore un essai. C'est lourd, c'est lourd. Oui, 26 à 9, là, ça commence à être très, très difficile. On espérait beaucoup, là, après cette pénalité de Vlad Alili tout à l'heure, avec cette réduction du score. Et malheureusement, cet essai qui fait mal. Et le numéro 15, Derek, là, qui va tenter la transformation. Il est parti et ça passe plein milieu des poteaux. Et donc, fin de cette première période sur ce score de 28 à 9. Et fin de cette première période sur ce score de 28 à 9 pour Derek. Et les supporters, donc je vous rappelle que des crêpes et du vin chaud vous attendent à la buvette, des crêpes préparées par les Velettes. Sachez aussi que le calendrier des Velettes est sorti et que vous pouvez l'acheter pour 10 euros. Donc n'hésitez pas à le demander. De charmantes hôtesses vous le donnerez donc pour un bonus somme de 10 euros. Renaud Saint-Périm. Les établissements CME, les établissements Roche, ACE, Vic Machinery, Thierry Pétard, SABCF, Leclerc, Alain Cavrois, SAS Jasco et le restaurant Pizzeria La Coréa. Les filles. Ouais, c'est sa fille Benoît. Ouais, c'est ça. Kadef. Je vous souhaite à tous une très bonne saison de période et allez boulot. J'ai pas de Mathieu Bertrand, moi. Non, c'est Longy. Longy. Elliot. Ouais, Elliot Longy. C'est pas ça ? Et Didier, donc, nous voilà pour cette seconde période au stade Pierrefort, avec malheureusement ce score de 28 à 9 là, pour nos amis de Guéret. On espère cette deuxième période un petit peu plus fructueuse pour nos amis moulinois, avec plein d'essais. Et donc ballon récupéré par Gaëtan qui repart tambour battant. Et tambour battant, oui tout à fait, et puis il faut l'être, mais il faut que d'entrée on puisse marquer pour espérer revenir au score, Richard, parce qu'on a beaucoup de points à rattraper. Malheureusement, Vlad est sorti. Oui, sur blessure, je crois que la cheville n'a pas tenu. Une blessure bien embêtante pour nos amis moulinois, parce que Vlad est, on sait, dans le système moulinois, quelqu'un de très 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 important.
Mais j'espère que ses coéquipiers vont gagner ce match pour lui. Oui, à l'image de Bruno Couder qui vient de trouver une belle touche de 42 mètres, ce qui nous permet d'aller dans le Kangar et toi. En espérant que nous allons conquérir ce ballon en touche. Touche effectuée par Pierre-Henri Guyot. Et oui, récupéré par Stéphane Panier qui garde le ballon. Mais écoute, contrairement à la première mi-temps, notre première touche nous est bénéfique. Et en avant sur un bon ballon porté, bien travaillé. C'est peut-être prometteur pour cette seconde période. Et on pousse du côté moulinois et on arrive jusqu'au 22 et on pousse encore. Un très bon ballon porté. Le ballon sort. Très bien sorti. Ah, dommage. Et l'arbitre avait sifflé une pénalité pour un hors-jeu. Et grâce au travail du pack moulinois, Guéret s'est mis à la faute. Un bon ballon porté. Bon ballon porté, oui, comme l'a si bien dit Didier, avec un peu de difficulté, mais il nous l'a dit quand même. Et Bruno Couder qui nous trouve une touche près de la ligne d'embut. Alors, est-ce que notre pack va pouvoir... Bon, le choix est clair, il faut marquer de suite. Hein. On aurait pu prendre la pénalité. Non, il faut marquer de suite. Je crois que le choix est très bon. Je pense que les mots d'Anthony Crochet ont fait effet à la mi-temps. À la main, malheureusement, ballon perdu sur cette remise en touche. Eh oui, l'arbitre qui siffle. Ah, une belle occasion loupée, j'avoue, là, Richard. Eh oui, on était à 2 mètres de la ligne d'embut et malheureusement... C'était un lancé sur le premier bloc parce qu'en plus, nous avons 3 blocs au milieu, au début de l'alignement, au milieu, puis en fond d'alignement. C'était pour assurer la touche et malheureusement... Et en plus, va avoir 10 minutes à 14, Stéphane Panier. Qui a été pris par la patrouille et qui malheureusement sort pour 10 minutes, carton jaune. Donc on va être à 14 contre 15. Ça va être encore un peu plus difficile. Et notre ami Santa Nastaso qui va mettre donc ce ballon et qui trouve une touche, une petite touche quand même, à 30 mètres de son embut. La situation est compliquée, on joue à 14. Espérons que les joueurs de Gaëtan vont se motiver et résister, même avancer encore plus sur ces 10 minutes qui manquent. Notre joueur Panier. C'est vrai qu'au rugby, quand on est en infériorité numérique, c'est toujours plus difficile. Mais espérons que la volonté de nos joueurs moulinois pourra leur permettre de faire face à ce petit désagrément. Et là... sur une petite balle par-dessus la défense, le numéro 2, le talonneur Fanton, le capitaine de Guéret, qui récupère ce ballon et qui va donc derrière cette ligne d'embut et qui va marquer ce troisième essai. Oui, encore une fois, on voit le bon choix de Nicolas Pudevoix à la mêlée qui, après avoir débordé, joue au pied. Et Fanton, exemplaire comme capitaine qui a suivi l'action et qui a marqué. Côté du numéro 2, Fanton, Guéret mène par 33 à 9. Il faut quand même remarquer la bonne organisation de Guéret sur le match. C'est vrai que la c'est... bonne orientation du numéro 9 et du numéro 10. Et qui trouve toujours les bons partenaires pour partir ou au large ou par-dessus la défense. Et malheureusement, ben là, ça a encore fait mouche le numéro 2, Fanton, qui est parti donc pratiquement sous les poteaux pour marquer cet essai. Ah, c'est dur. Vraiment dur pour le FC Moulins. Et le numéro 15, qui loupe cette transformation, qui était pourtant plus moins facile quand même. Oui, facile, mais trop relâché, trop facile justement. Ouais. Et il va falloir se remobiliser du côté moulinois pour aller chercher
cette victoire, hein, parce que 33-9, ça va être dur à remonter, mais bon. Tant que le sifflet final n'aura pas retenti, on aura toujours l'espoir de voir nos Moulinois revenir au score. Renaud Coderre à la réception de ce jeu au pied. Il n'y a pas avant parce que le ballon est parti derrière l'arrière. Munon qui essaie de relancer. Mais bon seul, plaquage à 3. Très les Guéret sont 3 pour le plaquer. Le ballon reste moulinois. On a du mal à se replacer du côté moulinois. Et les jambes commencent à être lourdes. Et le mental aussi, je pense aussi, surtout. Bonne percée sur 10 mètres de Guillaume, effectivement. On rejouera, on avance, mais Guéret est là. Et Guéret qui défend bien, qui repousse. Qui repousse les Moulinois. C'est vrai qu'on a, on peine pour gagner 2 mètres. On peine à... Voilà. Une petite percée de Gaëtan. Mais Gaëtan qui garde le ballon. On le ressort pour Yann Dupré qui va essayer de percer cette défense. Elliott qui écarte. Mais très voilà, belle sautée de Maxime. Bruno qui perce. Bruno qui essaye de chercher. Percer. Le soutien qui va au sol. Les deux Moulinois arrivent, le ballon va-t-il sortir, le ballon sort, Elliott qui, de nouveau, va rejouer les avant. Ballon un petit peu haut pour Guillaume, mais heureusement, on essaye de passer par-dessus la défense. Alexis. Et non, ballon récupéré par Guéret. Et relance. Le ballon sort toujours par du terrain. Hein. Bruno qui relance, qui va à la percussion, un jeu direct, le ballon est guéré, toi. On joue encore une fois, ballon au ras, les avant toujours au charbon comme on dit. Guillaume qui protège ce ballon et qui va sûrement partir au ras à gauche, qui est repoussé par la défense et repart au large avec Landry. Non, Ismaël, pardon. Alexis Jean-Martin qui essaye de percer aussi cette défense. Qui avance c'est sur 3 mètres. C'est compliqué. Yann toujours là. Qui avance encore 2 mètres, mais qui se fait, qui se fait repousser par la défense de Guéretoise, très agressive. Jean-Ismaël qui parera aussi, qui laisse le ballon. Pierre-Henri Guyot. Guyot toujours présent, qui essaie d'avancer sur un ballon porté. On avance. Allez, Pierre-Henri a réussi à rester sur ses jambes. 5 mètres. Et on continue avec Guillaume Bergos. Il va falloir partir à un moment donné au large. Hein. On a les munitions aussi, nous, avec Adrien Tari sur le côté droit là-bas. On a choisi clairement une erreur. On a perdu le ballon. Pénalité. Mais pénalité sifflée par monsieur l'arbitre. Oui, il est clair qu'on a choisi le jeu d'avant pour essayer de revenir au score. On domine la preuve, c'est que nous avons cette pénalité. Alors que va faire le capitaine, est-ce qu'il va la tenter ou aller en touche? Moi je pense qu'il faut marquer des points. Il faut aller en touche pour marquer des essais parce qu'on est quand même très loin du score. Et on peut voir Anthony là et M. Petitin qui sont en train de donner leurs indications sur le bord de la touche. Et pour eux, c'est les 3 points qu'il faut aller chercher. On n'est qu'en début de deuxième période. Il faut enfiler les points pour pouvoir se rapprocher le plus possible de nos amis de Guéret. Et peut-être après pouvoir marquer un ou deux essais pour passer devant eux. C'est tout ce qu'on espère aux Moulinois aujourd'hui. Je crois malheureusement encore une nouvelle. Je crois que Charles est blessé et on demande le remplacement. Charles Prévé qui serait blessé. Oui. Qui dans le regroupement a sûrement pris les assauts de la défense guéretoise et qui a un petit peu mal à la nuque. Ah, il est un petit peu sonné là, il tient à peine sur ses jambes. Il y a Dury qui se prépare à rentrer avec Baudron, hein, je crois. Ouais. Ça. Ah là là. Changement pour le FC Moulin. Sorti du numéro 3, Jean-Ismaël, et entrée du numéro 16, Maxime Baudron, et sorti du numéro 8, Charles Prévé. Duré, ouais. Et entrée du numéro 20, Jean-Marie Duré.
Mais Durie qui sur son premier ballon a explosé positivement puisqu'il a avancé. Bonne rentrée du jeune Durie. Et là encore les gros qui essayent de trouver la faille dans cette défense guerrétoise qui est bien regroupée hein, et qui nous repousse. On va partir un petit peu au large avec Pierre-Henri Guillot, le passe-muraille, mais qui a eu très peu de munitions aujourd'hui pour pouvoir mettre en défaut cette défense guerrétoise. Et malheureusement, belle défense de Guéret qui récupère le ballon donc sur cette pénalité. Il me semble qu'il faudrait mettre un peu plus d'incertitude sur l'équipe guerrétoise parce que là on ne joue qu'au ras, au ras, et bien sûr la défense s'adapte rapidement et se restaura. Et donc s'il n'y a pas d'incertitude, c'est plus facile à défendre. Il faut mettre en défaut cette défense pour pouvoir l'embêter un peu plus. Et pour l'instant, c'est vrai que le fait de jouer tout le temps au rang, ils ont compris le jeu des Moulinois et font face. Bonne poussée quand même de nos amis Moulinois. Mais Guéret repart avec le numéro 9. Alexis Chamartin qui récupère le ballon. Il attend Bruno Coudert. Ah, Bruno Coudert qui glisse. Regroupement. Le ballon sort trop lentement pour permettre de mettre du jeu, du mouvement. On joue toujours au ras. Toujours avec Yann qui avance toujours. Hein. Avec Guyot aussi. Qui font un très très bon match. Le ballon est bien repris, heureusement, par Moulin, mais qui a été repoussé de 2 mètres, là. Gaëtan Martin qui essaye de partir au ras encore. Un maul qui... Ça va passer. Maxime Baudron, là, un petit jeune qui vient de rentrer. Pierre-Henri Guyot qui essaye de passer en force. Ismaël, petit coup de pied. Ah, et ballon récupéré par Guéret. Ça se relance. Et qui envoie le ballon dans l'espace libre, qui oblige Bruno Coudert à revenir. Le ballon toujours pour Moulin. Un très bon jeu au pied de Romain. Sur le côté, Adrien Tarit qui la repousse. Ah, malheureusement. C'était bien joué, c'était bien un bon choix. Maintenant, il faut se replacer en défensivement. Ah, en avant, heureusement, en avant. La mauvaise passe du numéro 21 de Guéret. La nouvelle entrée, là. Brackmore qui loupe sa passe, qui fait un en avant. Heureusement, parce que c'était un petit peu dégarni sur notre côté droit et si le ballon avait été donné dans de bonnes conditions, je pense que les Guerretois auraient pu aller à l'essai. Oui, effectivement, on a tardé un petit peu à se replacer après. Le jeu au pied de Romain était intéressant. Malheureusement, il manque un petit peu de soutien. Ouais, puis Adrien n'a pas pu le contrôler comme il faut pour pouvoir partir vers la ligne d'essai de nos amis Guerretois. Et là, double changement au niveau de Guéret avec un public de la Creuse qui est beaucoup plus bruyant que nos amis moulinois, malheureusement. Ben oui, il gagne donc Richard, c'est plus facile d'encourager son équipe, mais on aimerait bien que le supporter y croit encore. Il nous reste 25 minutes de jeu, on ne sait jamais. Il suffit, je pense, que d'un essai pour pouvoir remettre nos amis moulinois sur les bons rails. Ça fait des dégâts cette action parce que j'ai vu Romain qui se plaignait l'épaule, Chamart Alexis aussi. Tous les coups font mal. Les terrains sont en plus assez lourds, donc ça pèse aussi dans les jambes. Bonne mêlée de Moulin, départ au ras. Pierre-Henri Guyot qui rafute et qui avance. Guyot vraiment qui avance, et à chaque ballon il avance. Et là, pareil,
Gaëtan qui a essayé de percer cette défense, mais on a du mal, on a du mal. Elle est bien regroupée, elle laisse aucun espace. Petit coup de pied qui va rendre le ballon malheureusement. Oh là là! Mauvais, vraiment vrai mauvais geste là, la joueur de Guéret. Je pense que... Carton jaune. Et oui, carton jaune. Après, comme dirait-on chez les rugbymen, une petite mandale. Oui, mais c'est les marrons pour Noël. Hein. Ouais, c'est la période. C'est la période autour de la dinde. Mais on n'a pas vu la dinde, mais on a bien vu les marrons. Et voilà, donc... Elliot Longy qui donc trouve une touche après donc cette pénalité. Ce carton jaune qui a été donné donc à notre ami Guéretois, un petit peu énervé. Il venait de rentrer, je crois, en plus. Donc il n'aura pas vu longtemps la pelouse du stade Pierrefort. Mais c'est maintenant à Moulin de jouer, à 15 contre 14. Écoute, je crois que le match va se jouer dans ces 10 minutes là. 10 minutes de vérité pour le FC Moulin. Ah, on récupère peut-être le ballon. Non, malheureusement. Bon regroupement vers la ligne d'embut. Il faudrait récupérer le ballon. Regroupement, on ne voit pas qui a le ballon. C'est nos amis moulinois qui partira. Elliot Longy pour Ismaël Maxime sur un pas. A réussi à mettre en défaut un joueur de Guéret. Et l'arbitre qui revient à une faute. Beaucoup d'efforts qui vont peut-être être contrôlés. On essaie de jouer vite. Essaye de jouer rapidement. Oui, Gaëtan qui va. Qui marque, je pense, oui. Essai de Gaëtan Martin. On avait dit là, les Moulinois jouaient depuis quelques minutes dans ces 22 de l'équipe de Guéret. Et premier essai de notre ami Gaëtan Martin qui va remettre donc. Un petit peu de baume au cœur à cette équipe moulinoise pour la suite de cette seconde période. Et je crois que Moulin a très bien utilisé son surnombre de joueurs. Du numéro 2, Gaëtan Martin. Ça va redonner un petit peu de baume aux joueurs. Et encore un petit espoir. On a encore 8 minutes à jouer à 14 contre 15. 15 contre 14 plutôt. Transformation réussie. Transformation réussie du numéro 6, Pierre-Henri Bureau. Guéret mène par 33. À 16. Oui. Mais Guyot, justement, vendredi, m'a dit qu'il lui aussi butait de 40 mètres. Mais il vient de me prouver qu'effectivement, il savait buter. Deux points importants qui nous permettre encore de croire, Richard. Hein. Il nous reste 7 minutes pour jouer en surnombre. Il faut absolument utiliser ces 7 minutes-là. Ah, il faudrait bien récupérer ce ballon-là sur cette remise en jeu de Guéret et pouvoir... remettre la pression sur cette défense qui, là, avec ces 5-10 minutes là où on était dans le camp de Guéret, on les a mis en défaut pour une fois. Et donc, ce bel essai là de Gaëtan Martin qui fait du bien et qui va faire du bien aux têtes moulinoises. Oui, et puis l'usure de ce paquet moulinois, peut-être que Guéret va enfin craquer. Malheureusement, en avant moulinois, juste à la limite de nos 22 mètres. Donc, mêlée pour Guéret. Et je profite donc de cette mêlée pour vous dire que ce match est donc retransmis et proposé par FHTP et les moyens techniques de Photosport 03 pour allier Direct Sport. FHTP, c'est le spécialiste de la route et du génie civil avec une clientèle publique et privée et qui se situe 117 route d'Autrive à Abray, près de Vichy. Photosport 03 est spécialisé dans le domaine de la photo et de la vidéo événementielle ainsi que dans la diffusion en direct sur internet. Alors, n'hésitez pas à le contacter si vous aussi vous voulez être partenaire d'un jour ou si vous souhaitez diffuser un événement sur votre site. Vous pouvez l'appeler au 06 87 52 40 59. Mais écoute, on vient de voir la mêlée conquérante de Moulin récupérer le ballon sur introduction creuse-toi d'un grand coup de pied de Elliott.
Malheureusement, une pénalité pour Guéret. Une munition perdue, je pense. Là. Ouais, on perd trop de munitions pour pouvoir espérer beaucoup mieux pour cette seconde période. C'est dommage parce qu'il fallait fructifier cet essai et lui faire des petits. Mais écoute, je crois que le paquet moulinois commence à être de plus en plus fort. Je crois que l'usure de la force moulinoise pèse sur ce pack guéritois. Mais jusqu'à quand? Et puis jusqu'à quand nos gros vont pouvoir avoir cette puissance? Et là, changement. Charles Prévé qui rentre de nouveau et Yann Dupré, le besogneux qui vient de sortir. Yann Dupré qui a fait encore un grand match. Yann qui m'expliquait la semaine dernière, il y a 15 jours, qu'il était un petit peu blessé, il avait des petits soucis. Et qui est toujours là quand même. Mais qui a fait accréditer un très bon match aujourd'hui, je pense. Ah ouais, qui a pesé sur cette défense hein, avec ses. Et sa puissance et sa force. Sa puissance et sa force, ouais. Et là, ballon. Ballon qui va être. Pour Moulin. Pour Moulin, ouais. Sur un en avant de nos amis de la Creuse. Et on joue toujours à 14 contre 15, il faut absolument marquer. Mêlée est toujours belle poussée. Hein. On voit encore cette poussée. Une montée inversée de Guéretoise. Il a pondéré l'avance de Moulin. Ouais, mais ballon quand même toujours pour les Moulinois. Oh là. Le demi de mêlée. On conserve ce ballon, c'est le principal. Qui a été un petit peu chahuté là. Et Charles Prévé qui est revenu sur le terrain avec de bonnes intentions et qui repart. Pierre-Henri Guyot qui reste sur ses jambes. Et qui avance. Ballon perdu. Allez, ballon perdu, malheureusement. Et donc, ballon qui est rendu aux Guéretois et qui vont aller chercher une touche. On aurait pu penser qu'il allait botter, hein. Il n'était pas non plus trop loin. Le choix est de taper en touche pour garder le ballon, gagner du temps. Ils sont à 33-16. Ils n'ont pas besoin de trop de marquer, mais surtout de garder ce ballon. Ils sont à 14. Donc en même temps, ils gardent le ballon à 14 contre 15. Donc pour moi, c'est un bon choix. Puis on était quand même relativement loin. Pas pour vous, Didier. Si, si. Moi aussi. Et donc, allez, il faudrait contrer cette touche guéretoise qui, pour le moment, n'a perdu qu'un ballon. Qui est très bien organisé, de très bons sauteurs et lanceur Fanton, capitaine. Le capitaine qui va lancer donc en fond de ligne, ballon récupéré par Guéret qui se regroupe et qui avance. Et bonne défense moulinoise. On essaye de tourner autour. Fanton qui ressort ce ballon, le numéro 14. Petrov. Pidois, qui a réussi à trouver un partenaire, le numéro 13. Carmel qui avance. On est dans les 22, Moulinois. Vitre, l'arbitre qui a vu quelque chose. Et Pierre Rouillon, oui, ça se complique. Je crois que ça va être un carton blanc. Un carton jaune pour Pierre-Henri Guillot. Il y a Henri Guyot qui a vraiment fait le maximum, surtout en deuxième mi-temps, on l'a vu très actif, qui est rentré, qui a avancé. Ouais, en défense, mais, aussi bien en défense qu'en attaque. Tout à fait, mais malheureusement, son énergie s'est dissipée. Il a perdu un peu de lucidité, voilà. Sur cette action et a fait une faute que l'arbitre a très bien vue, malheureusement. Et donc, pénalité pour nos amis de Guéret. Qui va être tiré par le numéro 15 d'Eric. Numéro 15 d'Eric qui a déjà marqué deux pénalités, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il n'a raté qu'un seul coup de pied. Très bon buteur.
estimé ceci, bien sûr, face au poteau qui était relativement facile. Pénalité réussie du numéro 15. Direct même pas, 36 à 16. Oui, donc Derek qui enfonce encore un peu plus les Moulinois. Encore 20 points d'écart. Le score est lourd. Le score est lourd, je trouve. 36-16. La deuxième mi-temps était quand même moulinoise par rapport au jeu pratiqué de Moulin devant, qui avait la monopole un peu. Ça devient compliqué pour les Moulinois. La première mi-temps était quand même capitale, je crois. Puis on voit que les organismes sont touchés. Hein, Les joueurs ont de plus en plus de mal à se replacer. Ça devient compliqué, là, cette deuxième mi-temps pour les Moulinois. Et entrée. Entrée de Mougineau. Voilà, Anthony Crochet essaie de faire entrer encore de la force vive. Changement pour le Moulin, sorti du numéro 2, qui est le Martin. Et entrée du numéro 17, Pierre Mougineau. Et oui, du 109 là en première ligne avec Pierre Mougineau et le petit Maxime Boudron. On va essayer encore de. Une belle poussée encore. Hein. Alexis Chamartin, oui, qui a réussi à percer cette première ligne. On chamaille un petit peu. Ballon vite mis en jeu par Alexis Chamartin. Charles Prévé qui passera. Encore une pénalité. Alexis Chamartin là qui souffre de l'épaule. C'est qu'il avait été blessé là ces derniers temps à ce niveau-là. Donc j'espère que ça n'a pas. C'est pas de nouveau la même épaule qui le fait souffrir. Et là on demande une mêlée. Oui, parce que taper la pénalité n'amènerait absolument à rien. Il faut absolument remarquer au moins pour l'honneur. Et puis pourquoi pas espérer un bonus défensif si on pouvait revenir au score. Oui, je pense que c'est l'objectif maintenant qu'il faudrait. C'est un point qui peut, à la fin d'année, compter pour le maintien. Oui, tout à fait. Et ce qui est dommage, c'est que ce que je disais au début de cette retransmission, après un très bon début de saison avec 3 ou 4 victoires d'affilée qui avaient placé les Moulinois en haut de tableau. Ils ont connu pas mal de défaillances, pas mal de blessés et malheureusement beaucoup de matchs perdus ces derniers temps et ce qui fait qu'ils sont redescendus à cette avant-dernière place. Mais ce n'est que le premier match de match retour, Richard, donc on peut, faut pas baisser les bras et croire toujours en ce groupe. Avec un très bel enchaînement ici. Elliott qui va certainement écarter le ballon. Le ballon qui tarde un petit peu à sortir. Mougineau. On essaye encore de passer au ras. On rafute. On est repoussé par la défense guérétoise. Le coup d'air qui essaye de trouver l'espace libre. Mais malheureusement, on rend le ballon à nos amis de Guéret. Il tape dans son embut et ça va être un renvoi au 22. Ballon perdu. Oui, je pense que Bruno ne voulait pas faire ce coup de pied là, que c'est la technique qui n'a pas suivi la tête. Ah, quand les jambes suivent plus, c'est vrai que qu'on manque de lucidité. Le remplacement à Guéret, numéro 4. El Clash qui rentre. Et donc renvoi au 22. Renvoi loin sur Romain Poder Giraud qui va relancer. Petit coup de pied par-dessus la défense. Bien récupéré par le numéro 21. On essaye de repartir à la main. Ah, il faut un petit peu de folie, je crois qu'il faudrait finir sur 10 minutes un petit peu folle, ouais. Pour espérer quelque chose. Bonne pénétration. On avance. Il faut libérer ces ballons plus vite, il faut qu'ils sortent plus vite pour qu'on puisse enchaîner. Ouais, mais peu de soutien. On tout seul, les clashs. Peu de soutien pour Zohar Borazé. C'est pour tout à l'heure.
c'était pas ce qu'il fallait faire, hein, je pense pas, parce que là on joue au pied, il faut garder le ballon, essayer ou de les mettre à la faute ou de partir au large et de mettre cette défense à défaut, mais là avec ces coups de pied là, arrêt de voler donc du numéro du joueur donc de Guéret, et donc c'est un renvoi au 22. Rappelons que Longier Elliott fait partie du tutorat avec Dompierre, donc c'est vraiment un joueur du cru qui rentre en neuf et qui joue tout à l'heure et joue quand même au centre en principe et qui fait son maximum, qui essaie d'amener son équipe. On essaye de produire du jeu du côté molinois. C'est compliqué, Maxime Baudron qui met toute sa puissance pour avancer. Eliott Longier là qui va donner un ballon à Bruno Couder, qui essaye de percer cette première ligne de défense. Romain Poder-Giraud, un peu esselé, oh là là, bien pris par deux croisetois. On essaye de se dégager plus que de produire du jeu là. On passe sur la contre-attaque de Guéret. Bon plaquage de Mio Alexandre. Guéret écarte. C'est en avant, je pense, oui, effectivement. En avant du numéro 17. Et il y a même une pénalité pour Guéret. Je pense que Guéret a dû contester. Oui. Du 17 de Guéret. Ouais. Et là, on va essayer de trouver la touche le plus loin possible pour Bruno Couder. On ne pourra pas dire tout de même, Richard, que les avants de Molino, même toute l'équipe, a tout donné. On voit bien la fatigue. Ils auront mouillé le maillot, comme on dit. Ouais, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour gagner ce match. Il reste encore 7 minutes, mais je ne vois pas comment Guéret pourrait lâcher cette seconde période et perdre ce match. Mais c'est vrai qu'ils ont tout donné et malheureusement, le score en est ainsi. 36 à 16 pour Guéret. Récupérer ce ballon sur ce lancer molinois. On part au large. Romain qui essaye de trouver Adrien Tarit qui part sur le côté. Qui va peut-être marquer. Qui est repris à 5 mètres de la ligne d'embut. Ah, l'arbitre qui signale l'avantage pour... Et Romain a joué la pénalité très vite pour essayer de marquer. Toujours pénalité pour Moulin. On est parti d'une belle sautée de Bruno Couder avec une très belle percée. Percée de Romain Poder-Giraud qui retrouve Adrien Tarry sur le côté. Et Adrien avec ses jambes de feu qui a réussi à arriver jusqu'à 5 mètres de l'embut, mais malheureusement n'a pas pu aller... derrière cette ligne d'essai. Et donc là c'est une mêlée avec introduction Moulin, introduction qui va être faite par Eliott Longier. Allez Pierrot. Et rentrée après sa petite suspension de 10 minutes de Pierre-Henri Guyot. On est de nouveau 15 contre 15. On s'aperçoit quand même que sur la phase d'avant, mais au jouer au large était peut-être une solution qu'on n'a peut-être pas assez exploitée. Ouais, on a peut-être voulu trop jouer les gros bras, peut-être. C'est toujours facile de dire après, bien sûr. Lorsqu'on est sur le terrain, c'est difficile de changer le cap. C'est clair. C'est clair. Et puis nous, de notre poste, assis sur nos chaises, c'est beaucoup plus facile que eux sur le terrain. Et reconnaissant quand même que la première mi-temps, Guéret a fait un très beau rugby. Qui a alterné le jeu au pied et le large de manière fort intéressante. Mal joué là, malheureusement. Les Guéretois ont récupéré le ballon. Et se dégage avec Derek qui ne trouve pas la touche. Allez, faut... C'est Jean-Marie Duric qui avait récupéré ce ballon. Une petite baisse d'intensité là sur cette fin de deuxième période, mais bon, ça s'explique aussi par le fait que le match est a priori entre guillemets plié, on va dire, malheureusement. Malheureusement, je crois, oui.
mais ce serait bien que pour tous les efforts que Mouin a fait, il marque un dernier essai pour le public, est venu aussi avec une bonne chambrée aujourd'hui. Oui, à peu près 200-250 personnes aujourd'hui au stade Pierrefort qui ont vu du beau rugby, hein, avec une belle équipe guerrétoise et une équipe moulinoise vaillante, mais et malheureusement qui n'a pas pu marquer ses essais qui auraient pu lui permettre de gagner ce match. Ballon récupéré par Romain Poder-Giraud, mais non, l'arbitre avait signalé une faute. N'oublions pas que Moulin a aussi des jeunes qui hier ont fait un bon résultat puisque les cadets ont gagné et les juniors ont fait match nul devant une très très forte équipe. Et puis je voulais dire aussi que nos internautes que les Belettes, l'équipe féminine des moins de 18, a fait un superbe calendrier que j'ai eu la chance de feuilleter. Un très beau calendrier où toutes ces joueuses donc, sont en habit de ville et en habit de rugbyman. Et vous pouvez l'acquérir pour la somme de 10 euros. Alors n'hésitez pas la prochaine fois que vous venez au stade Pierrefort de le demander. Oui. Un superbe calendrier qui a été fait par l'excellent photographe Christophe Audin de Photo 03 Sport et qui est aussi ce soir le caméraman qui vous permet de voir ce match en direct, ce match qui est donc sponsorisé par Eiffage TP et qui vous est retransmis par Ali Direct Sport. Il nous reste 2 minutes 30 à jouer. Ouais. Là on voit bien sûr tous les joueurs sont abattus de Guéret, mais de Moulin pardon. Ouais, parce qu'ils savent que ce match était important, qu'une victoire aurait fait du bien au niveau du classement, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, et très bien dit, on n'est qu'au premier match de la phase retour de ce championnat fédéral 3. Et il reste encore beaucoup de matchs pour pouvoir revenir au classement. Mais il ne fera pas gâcher les munitions, que ça soit à la maison ou même à l'extérieur. Mais pas plus tard que dimanche prochain, Moulin va se déplacer à Issoire. Hein. Donc je pense qu'il va aller chercher des points à Issoire. Non, c'est pas dimanche prochain, c'est le 11. Le 11, non, excusez-moi. Non, mais, il y a une petite trêve. Didier n'avait pas ses lunettes, donc il a loupé une ligne. Moi, j'étais impatient que Moulin rejoue pour se prouver qu'il ne mérite pas cette place-là. Tout à fait. Ah, puis comme je le disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est par rapport à ce début de saison où on avait beaucoup de... On espérait beaucoup de cette équipe, elle avait beaucoup d'espoir, on était je crois au bout de la troisième journée, deux ou troisième, donc on s'était dit que c'était peut-être une belle saison pour le FC Moulin et puis une avalanche de blessures et beaucoup de défaites, que ce soit à l'extérieur et deux défaites à la maison contre Saint-Cernin, entre autres, et malheureusement voilà, on descend au classement et on perd de la confiance. Mais écoute, cette trêve permettra de refaire des objectifs, parce qu'au début de l'année, effectivement, l'objectif était la qualification. Mais il faudra maintenant jouer pour le maintien. Donc, ces trois semaines vont peut-être bien arriver, en fait, pour se remobiliser sur ce nouvel objectif. Et peut-être retrouver aussi quelques blessés. Oui. En espérant que cette trêve des confiseurs, comme on dit, soit bénéfique au FC Moulin. Oui. En termes de confiance, surtout. Il faut dire que ce match Moulin-Guéret pour presque un derby et un match capital s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de mauvais gestes à part le petit carton jaune. Ouais, la petite mandale en sortie de regroupement. Voilà. Mais, un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël, voilà. Avant l'heure. Avant l'heure. Le Père Noël est passé. Il a fait un beau paquet. Que on va souhaiter à nos internautes. C'est le moment aussi de très bonnes fêtes de Noël. Hein, de très bonnes fêtes de Noël. On espère les revoir très bientôt avec nous, ne serait-ce aussi pour les féminines. Hein, prochain match. Donc, oui, les féminines aussi qui joueront début d'année au stade de Bellevue et qui sera retransmis forcément par Allier Direct Sport hein, et aussi. Le prochain match qui sera diffusé sur Allier Direct Sport, ce sera le 1er mars avec la réception de Cournon. Un derby, on va dire, auvergnat,
hein, avec nos amis de Cournon qui sont bien placés, je crois qu'ils sont en haut de tableau. Mais d'ici là, donc, il y aura cette petite trêve des confiseurs et on espère aussi beaucoup pour ce FC Moulins de repartir sur de bons pieds dès ce mois de janvier. Et donc le score 36-16 et le tableau d'affichage nous indique que le match va être bientôt terminé. Peut-être après cette touche. On aurait bien voulu commencer notre expérience en direct avec Allier Sport par une réussite. Mais bon, malheureusement, le sport fait que. C'est pas toujours le cas, mais bon. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi, amis internautes. Nous, on en a passé une excellente avec mon ami Didier Lorca, qui était forcément très stressé pour sa première, mais qui a très, très, très bien commenté. Il nous a fait de très bons commentaires. Je le remercie parce qu'il a été techniquement irréprochable. Mais aux côtés de toi, Richard, c'est comme c'est que du bonheur. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris du plaisir. On en, tant qu'on en a pris, nous, à vous commenter ce match. On aurait aimé une meilleure fin avec une victoire du FC Moulins, mais malheureusement, c'est la défaite qui pointe au nez de Moulins. Avec, je pense, ce dernier changement là pour Guéret, la rentrée de Rochelli pour ses dernières secondes à Pierrefort. Sachez aussi que ce match vous sera rediffusé, enfin, sera disponible à partir de mardi soir, mardi ou mercredi, sur le site Allier Direct Sport en VOD, donc vous pourrez revoir ce match tranquillement ce mardi, donc sur Allier Direct Sport, match qui vous a été proposé donc par FHTP. Une dernière action de Moulin, il va essayer de marquer cette action, on va le montrer, Emojinouk et fin donc de ce match sur cette victoire 36-16 des Creusois qui sont venus gagner à Moulins. Ils n'ont pas fait le voyage pour rien, comme on dit. Non, il y avait effectivement sur le terrain deux équipes motivées, mais le match est fait en première mi-temps avec un jeu au large très intéressant de la part de Guéret, il faut bien le reconnaître, où nous n'avons malheureusement pas pu trouver la défense qu'il fallait. Malgré tous les efforts fournis par nos 15 verts et blancs, la défaite est là. Mais ce n'est que le premier match des matchs retour. Donc nous espérons que les verts vont relever le défi de finir en beauté cette saison 2014-2015. Oui, j'espère que l'année 2015 sera plus belle, on va dire, entre guillemets, que cette fin d'année 2014 pour nos amis du FC Moulins. Et on voit les supporters de Guéret qui font la fête à leurs joueurs. On peut quand même remercier les joueurs du FC Moulins qui ont été vaillants, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui pour remporter cette victoire. C'est bien malheureux de commencer par une défaite, mais c'est comme ça, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le sport. On va remercier tous nos internautes, vous étiez une soixantaine aujourd'hui à nous regarder et à écouter les commentaires du très bon Didier Lorca.